Skies. On commence simplement avec le Rocket Aim 100. Donc mon ancien clavier, simplement j'ai mis sur mon setup PC portable avec ma Razer Mamba Tournament Edition, ma petite enceinte Denon, donc enceinte toute simple Bluetooth, ma petite imprimante hein, pour imprimer les attestations. Donc là on a mon PC portable, donc Lenovo Legion avec un i5 9300 à 10 52 Go et du son de chez Harman Kardon. Donc voilà un bon petit PC portable pour le rapport qualité-prix. Bon, on va dire qu'il est pas mal parce qu'il est écran 54 Hz. Ma DX Racer, donc édition spéciale collector parce que mon chat l'a dédicacé, clairement il l'a déglingué. Mais bon, après c'est pas grave, hein, toujours utilisable. Ensuite on passe aux écrans. Donc voilà, donc j'ai 4 écrans, donc là c'est un LG en IPS 24 pouces. MSI, donc le MSI Optix Max 241, mais bon ça on s'en fout des références, 144 Hz AMS incurvé. AOC 144 Hz AMS, non incurvé. Mon HP 27 pouces en IPS aussi, donc voilà, c'est des écrans 5ms et les IPS. Donc voilà, après j'ai 4 écrans, c'est pas très utile. Donc j'ai un Razer Huntsman Elite, donc voilà, un très bon clavier avec des touches optiques. Donc pas tous les claviers qui ont ça, donc des petites touches optiques qui sont plutôt franchement pas mal. Ma souris, alors c'est une souris sans fil, donc c'est une Asus Gladius Wireless 2. Donc voilà, c'est la version 2, parce que la version 1 est non filaire. Mes enceintes Bose, si je dis pas de bêtises, c'est les Compagnon 3, mais je mettrai tout dans la description de toute façon, donc des petites enceintes Bose. Alors le casque que je me sers le plus, simplement le Beats Solo 3. Sinon je me sers de temps en temps de mon Razer Manowar. Alors Razer Manowar, un casque Bluetooth, donc voilà, qui a un bon petit son avec du 7 points, etc. Mais les casques sans fil, c'est un peu chiant à recharger à la longue. Rode NT USB avec son truc pour les anti-chocs et simplement son bras Rode PSA1. Donc le bras Rode PSA1, hein, tout le monde connaît, et le Rode NT USB aussi. Ensuite, dans mon PC, j'ai tout simplement un Ryzen 5 3600i, 32 Go de RAM en DDR4 3200, un watercooling XIMATEC, une RX 5700 XT Nitro Plus. Alimentation 700 W, boîtier H500P de chez Cooler Master, voilà quoi. Et puis une carte mère B450 à Aorus, donc la Aorus Elite. Et 2 Tera de stockage HDD et 240 Go de SSD. Ensuite, une petite arcade que j'ai achetée sur AliExpress, donc voilà, une petite déco sympa. Là, donc on a simplement quelques figurines pop que j'ai acheté, une petite boîte de ma RAM, parce que j'ai deux RAM différentes dans mon PC. L'ancienne boîte de ma carte graphique avec simplement une ampoule connectée. Alors là, c'est un Parrot Air Drone V1 et là, on a simplement le V2. Voilà, de bons petits drones, quelques petits jeunesses, voilà, avec une petite manette. Une épée Minecraft, alors ça, c'est simplement mon Glock G17, donc oui, c'est une arme factice, donc c'est pour faire de l'airsoft. Mais bon, après ça, on s'en fout un peu. Là, on passe simplement sur mon G29, donc je m'en sers pas tout le temps non plus. C'est vraiment le truc que je me sers très peu sur PC, hein, parce que sur Play, j'ai pas de jeu compatible. Donc, mon écran, c'est un écran 147 cm de chez JVC. Très bon écran 4K, vraiment rien à redire dessus. Ça fait environ un mois que je l'ai et top. Mais bon, à ce prix-là, après, vous pouvez avoir légèrement plus petit et avec connexion internet. Donc là, on a mes manettes. Une destinée un petit peu custom en gold et une camo, mais bon ça on s'en fout, mais Xbox, etc. Classique pour le show PC. Mini frigo et quelques stickers, Cetic, Rode, trois trucs comme ça, batterie externe, Xiaomi et mon casque HyperX. Bref. Ensuite on passe sur ma PS4 Slim 1 Tera, donc voilà classique, Xbox 360, PS1, mon PlayStation VR et simplement ma Nintendo Switch que j'ai custom en édition NES. Malheureusement, bon, il y a une tache de café derrière, hein, vu que j'ai bu un café une fois. Bah, malheureusement, bah, elle y est passée. Mais bon, je verrai pour potentiellement essayer de l'enlever ça. Mais bon, très bonne console. Rien à redire dessus, je compte peut-être me prendre le dernier Animal Crossing. Donc voilà ce que donne mon setup bah, 2 jours. Donc voilà. On va pas se mentir, un bon petit setup. Voilà, avec PC, etc. 4 écrans, bon, justement, je compte en vendre un dans pas longtemps là. Puis voilà quoi, la petite DX Racer custom par mon chat, et puis voilà.
Donc simplement, je vous montre ça, j'ai pas l'habitude, mais n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt aux 1100 abos là sur la chaîne, de ce que je vois là, on est aux 1075. Ça serait vraiment cool qu'on puisse passer les 1100 avant la fin du confinement, ça serait vraiment ouf. Et pour ceux qui reçoivent pas les notifs importants, allez tous sur le Discord qui va se trouver en description, ce Discord là, donc voilà, Sky's Community, le nouveau Discord. Donc voilà, ce Discord, vous aurez toutes les notifications. Et bref, sur ce, c'était Sky.